Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle Mathieu Nyasingbe parle de la convocation de Chantal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La famille, si vous l'avez bien constaté, je l'ai toujours dit, si tu ne me cherches pas, je ne viendrai pas te chercher. Si tu ne m'attaques pas, je ne te donnerai pas un droit de réponse. Oui, je suis comme ça. Je défends la voix de sa voix. Je défends la cause noble. Je défends ce qui, c'est-à-dire ce qu'on triche, les orphelins. Je défends toujours de la bonne cause. Je ne me lève pas un matin pour insulter ou bien pour attaquer celui-ci parce que telle personne est là. Non, je défends que des causes nobles et dignes. Vous l'avez tous remarqué depuis un bon moment qu'il y a beaucoup de personnes sur la table togolaise que je n'appelle plus leur nom ou que je ne les regarde plus. J'ai pris ma décision ferme. Et aujourd'hui, tout à l'heure, en me réveillant, il y a une vidéo qui m'a été envoyée. Et dans cette vidéo, c'était Chantal qui avait fait un direct. Et depuis un bon moment, même simple allusion, je ne faisais plus à l'égard de cette femme. Vous tous avez remarqué, depuis un bon moment, tout le monde est au courant que, c'est-à-dire, ce groupe-là, je les ai ignorés. Pour moi, ça n'existe pas. Mais Chantal, depuis 2 jours ou 3 jours, n'arrête pas de me provoquer. Les provocations, je peux toutefois continuer à l'ignorer. Mais venir mentir sur moi, ça, non. Parce que moi, ma dignité, ma fierté, mon honnêteté, ma fierté me compte énormément. Et je ne laisserai aucun ou bien en aucun cas qui que ce soit venir mentir sur mon dos. Dans le direct de Chantal, je ne savais même pas que Chantal était au Togo ou au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Parce que moi, sa vie n'est pas ma priorité. Et je ne vais pas aller fouiller dans sa vie pour une raison X ou L ou quoi. Non, je ne savais pas. Je ne sais même pas où elle est. Et il paraît que dans sa vidéo, elle est en train de raconter que Mathieu Nyasingbe a fait une procuration à quelqu'un et cette personne lui a appelé pour... Attends, je vais même jouer le truc. On va passer. Moi-même, je suis étonné que moi, je suis ici, j'ai fait procuration à quelqu'un. Adama. Moi, je suis ici. Moi, j'ai fait procuration pour arrêter Chantal. Pourquoi? Je ne sais même pas où tu es. Je ne connais rien de toi. Pourquoi je vais faire procuration? Si moi je vais t'arrêter, c'est moi-même qui viendra dire ici que ah, j'ai appris que Chantal a l'objet, je vais l'arrêter. Tu vas me faire quoi? Si toi-même tu as peur, ou peut-être que tu es à Lomé, ou peut-être tu veux rentrer à Lomé, et tu as peur, et tu essaies de faire, et à son casson donc qu'on a quoi, c'est ton problème. Mais venir mentir que Mathieu Nyasingbe a fait procuration, procuration à qui? Quelle gendarmerie? Qui même? Moi, que tu vois là, faire procuration pour attraper quelqu'un, pour des histoires de Facebook. Je ne suis pas quelqu'un d'esprit limité ou de faible comme vous. Je ne suis pas quelqu'un d'esprit faible comme vous. Non. Le petit que... Cotland doit te voir pour venir m'insulter ici. Je ne l'ai pas attrapé. Le petit là m'a insulté maintes fois pour zéro raison. Je ne l'ai pas attrapé. Maintenant, toi, tu vas mentir. On va écouter ce qu'elle a dit. Attendez, hein. Je vais mettre ça sur haut-parleur. On peut mentir sur la vie des gens comme ça. Moi-même, je suis vivant. Et vous auriez menti sur moi. Non, tu mens. Aïda, j'ai la béton sur les nerfs. Fin de compte, le coup d'un meowa, les en matière de blog, il n'y a aucune qui est ma camarade. Il n'y a aucune que je parle avec. Je n'en ai pas besoin. Parce que plusieurs d'entre elles, c'est des gens de sous-bananerais. En bas de l'échelle. Est-ce que c'est ça? La bouche, mais on ne voit rien. On ne sait pas. 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 On ne sait pas.
marade. Vous. Voilà. Vous n'en avez pas besoin. Écoutez, hein. Parce que plusieurs d'entre vous sont des gens de sous-bananerais. En bas de l'échelle. La bouche, mais on ne voit rien. Aucune réussite. Ils ne pensent jamais à leur avenir. Ils ne pensent qu'à détruire les autres. Ils ne pensent qu'au malheur des autres. Une femme heureuse. Une femme qui a son gagne-pain. Ne peut jamais venir être des amis avec des gens qui ne connaissent ni la tête, ni la tête à l'oque. Vous tous êtes au pas. Vous êtes au carrefour. Chantal il le mot d'aller. Chantal il le mot là il garde à vue. Il y a quelqu'un qui avait dossier les bonnes. Mais la vie quiet est. C'est que mi quiet a. Mais la vie quiet est quoi. Mathieu a fait une procuration de porter plainte contre toi et parce que tu mens. Chantal, ou bien la gendarmerie t'a appelé pour dire que Mathieu a fait une procuration pour faire plainte contre toi, tu mens. Ce que j'ai remarqué dans ton message, c'est que tu as peur. Tu as peur ou toi-même tu te fais des films. Comme quoi, oui, comme j'ai eu des conflits avec Mathieu, si je suis à Lomé aujourd'hui, on peut venir m'attraper. Comme j'ai eu des soucis avec des gens, et Greta peut venir m'attraper. Or, tous ces gens n'ont pas ton temps. Moi, perso, en tout cas là, je n'ai pas ton temps. Je ne savais même pas que tu étais à Lomé. Je ne savais même pas que tu es à Lomé ou à Cotonou ou quoi. Je ne sais pas. Si beaucoup ont remarqué ces derniers temps, je n'ai pas de temps. Je suis hyper occupé. J'ai des choses plus intéressant dans ma vie. Tu vois? Mais venez mentir sur moi que Mathieu a fait procuration. Écoutons, jusqu'à la fin. Tu t'es à côté, monsieur Gada. Allô, monsieur Gada, toi qui me dis, allô, on comprend le tout. Mais, on ne sait pas si c'est le nom. Si tu veux l'amitié ou bien la sympathie de Gada ou de la famille Gada, va les voir. Comme quoi, moi, Mathieu, j'ai porté plainte toi. Parce que toi, tu m'as insulté dans l'histoire de M. Gada. C'est quoi cette connerie-là? Si tu as peur, c'est ton problème. Si toi-même, tu sais que tu as fait quelque chose que tu as peur, ne viens pas m'associer à vos histoires. Je n'ai jamais pris convocation pour toi. Je ne t'ai jamais convoqué. Mais je vais être convoqué pour dire quoi? Tu penses que je suis un con pour aller dire oui et Chantal m'a insulté sur Facebook. Arrêtez là. Pourquoi? Tu m'as insulté, je t'ai insulté, basta. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me salis, je te salis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne suis pas un couille mouillé qui va courir pour aller à la gendarmerie. Oh, Chantal m'a insulté, oh. Telle personne m'a insulté en Europe. Telle personne m'a insulté aux États-Unis. Si elle vient à Lomé, si elle... je ne sais pas ce genre de personne. Moi, c'est auto-auto. Chantal, moi, c'est auto-auto. Si tu veux l'amitié de Gadala, va leur demander leur amitié. Si tu as peur de se faire arrêter à Lomé et tu veux que eux te viennent en aide, va. En tout cas, moi là, écoute-le bien dans tes oreilles, Chantal. Je ne t'ai jamais convoqué. Je ne te convoquerai jamais. Tu m'insultes, je t'insulte. Le jour où tu m'insultes, je t'insulte. Je ne suis pas ce fainéant qui, pour un oui ou non, courra à la gendarmerie, à la police. Non. Oui. Je vais les boutons, mais quand au continent de Béthé, ouais. Non, toi, dans tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de ça, toi, tu voulais m'arrêter. Yeah. Au revoir. Tu as peur. Comment
moi-même je vais arrêter quelqu'un, moi-même je ne sais pas que je vais arrêter quelqu'un. Moi je suis ici. Toi tu prétends qu'on t'a convoqué ou on t'a appelé. Et la personne qui t'a convoqué, qui t'a appelé, t'a dit que c'est Mathieu qui a fait de quel de meilleur Maruma. Procuration. Oh, Azume Nagawayo. Chantal. Netto, miabe, on vibe ha kebidona. Taho le tonobe a koiro mefia. Mathieu la télé olo. Niamo daleo. On a sikune Mathieu ndie. O le vondoa. Vem mla nina dano. Wanuko dao le lo mefa. Chantal. Ne Mathieu ndie o le vondoare. Alors le vondoare Mathieu le vandé le lo mari. Niamo daleo. Niamo ananeneo. O soumouta mouzo, ekpa. Nye mou nye me kekpa na me yina sa gagba. Nye mou dina barana me bolo la me do gagpa me yon. Nye mou sebo dale o do gagpa ma mabak brenan. Nye mou sebo dale o chantala ma si kamara brenan. O dale o lo, gama blen. Oui, e waya mou wane. Vanyen mou ba yina sa gagba. Be mbele o, homa mbele tonu gome. Nye mou adanu o. Mais je sens que tu as peur. Moi, je ne vais pas t'attraper. Je ne te porterai pas plainte. Ou... Non! On te élève. Yo, va l'Espagne. Son tigné. Bah, me réveille. Allons convoquer. Bébé Mathieu, convoqué. Nous, quand tu m'as convoqué, oh. Nya ma ko convoquer ok nya nyen to nya mu nya wa ya va bon to be nya ke on nku me le laisse ya poplo bi to di si voler le mot domine ni nku me le na ma chi asibe a poplo bi to di e si voler le mot domine ni. Oh la te, oh la te porté plainte contre moi. Oh quoi que ok que ma, elle s'est accroplonée, si volée, et si volée, et si volée. Oh le cas, on est blanc même en procuration, bon le lé. On peut terminer phrase. Oh bah le blanc même y a ma te porté plainte contre ma. Y a moi en procuration à mes belles lé ou, y a moi porté plainte à mes belles bon le lé ou. On te le bon. C'est toi-même qui as peur de se faire arrêter par rapport au truc que toi-même tu as fait sur les réseaux sociaux. Sinon, jusqu'à présent là, moi Mathieu, ou je n'ai même pas encore attendu, ni moi ou Greta que tu viens inciter, dis que quelqu'un veut t'attraper ou quelqu'un a porté plainte contre toi. Circule librement allumé. Sinon, ton malheur ne viendrait pas de moi, mais en tout cas. Si ton malheur là, tu penses que c'est Mathieu qui va t'attraper, va dormir. Mathieu ne t'attrapera pas. Mathieu ne t'a pas convoqué. Mathieu n'a jamais fait de procuration pour qui que ce soit de t'attraper toi. Non. Toi, circule à Lomé, librement, comme du vent. Balade-toi. Si tu veux même te promener à poil, vas-y. Mets tes cheveux sur la tête. Promène-toi, rigole, fais tout ce que tu veux. Mais Mathieu, lui, il ne t'attrapera pas, il ne te convoquera pas. Non, tu m'insultes, je t'insulte. Moi, ça s'arrête là. Tu m'insultes, je t'insulte. Ça s'arrête là. Tu as le mot dominé. Oh, arrête de porter plainte contre moi. Oh, on a procuration, mais il y a les rédigés convocation. Chaque le matin, il y a le bleu, le homie, tout le la siwa. Tu vois, mais que ton obé, il y a un galéga, si il y a une procuration, toi-même, tu te fais des films. Mais que ton obé, Mathieu, va, il y a un sub, Mathieu, sa gana, il y a une procuration, même Aléo, tu te fais des films. Il y a un bout de temps, mais pas de temps, mais il y a un bout de temps.
on le plus le miette la siwa. Oh, on toque, on le aéré la gbe, on est toujours coincé dans les pioles, mais coup de fio, on me dit tepe aéré de. Ah, mais, depuis un bon moment, presque deux mois, alors depuis que mi-de janvier, mais, il y a beaucoup baba ya gabe nya oba na ni ke nyo pa quoi. Nyemba donu mi a de metor pe nya me. O va zuna nyemba ke lande be non. Baba ya gata va zuna nyemba donen chido. Nyan to mi nyemba wa no be fon quoi Mathieu. Do be fon quoi Mathieu parce que depuis toi le cas jouer en quoi tu ne fais que ta sanctuaire sur Mathieu. Wala bilai. Je ne vous calcule plus. Vous savez pourquoi? J'ai des projets très importants dans ma vie. J'ai des projets très importants dans ma vie. Je me suis donné jusqu'à mois de fin février pour terminer mon projet de foyer qui est en construction. Mais malheureusement, le chantier a été arrêté à un bon moment parce que Obele Lomé Viano To Eliadia Orolaho. Donc, putain. Autorisation de chantier. Omouel, Toto Douadi. Donc le chantier a été arrêté. Nous avons eu un retard en mois de janvier de deux semaines. Et à Nidé, il y a un retard au bout de deux semaines, ce qui fait un mois de retard pour le chantier. Donc comment faire pour gagner du temps et récupérer ce temps perdu, finaliser le projet le plus rapidement possible et on avance sur autre chose.